Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle invitation au voyage. Bienvenue dans votre nouvelle session d'évasion. Aujourd'hui, je vous emmène dans l'une des villes où on vit le mieux au monde, Vancouver. Enfin, je dis ça, mais les Canadiens d'origine japonaise y ont vécu, eux, une amère tragédie avec la Seconde Guerre mondiale. L'héritage sera l'occasion pour nous de revenir sur le sort pétrifiant que certains leur ont réservé. Un palais en plein cœur de Tolède, un roi qui tombe amoureux d'une princesse, voilà les premières lignes du conte qui aurait pu se dérouler en Espagne. Sauf que la princesse est musulmane, que le roi est catholique et que leur histoire est loin d'être un conte de fées. Ça, ce sera l'incontournable. Et puis, heureusement, on se fera quand même du bien grâce à Papille. Nous serons au bord de la mer Morte, en Jordanie, pour vous montrer comment réaliser un makloubé. Ça veut dire renverser en arabe. Je ne vous en dis pas plus, mais je sens déjà la cannelle et le curcuma câliner nos narines. Mais avant, c'est la devinette. Savez-vous qui, au Maroc, appelle-t-on les gens des nuages ? Ce surnom poétique peut sembler étrange, hein, car le désert marocain n'est pas spécialement connu pour ses cumulonimbus. Pourtant, les nuages servent à désigner une partie de la population. Est-ce que vous savez laquelle ? Je vous dévoile la réponse en fin d'émission. Allez, pour la première étape, on va suivre un peintre qui adore voyager. C'est Raoul Dufy. Vous vous en souvenez peut-être, on avait déjà découvert sa passion pour Nice ou la Normandie. Eh bien, c'est à Paris qu'on le retrouve aujourd'hui. Paris, où il réalise entre autres un travail de titan, la Fée Électricité, une toile de 600 mètres carrés, l'équivalent d'un terrain de tennis. C'est l'inspiration. Il y a de quoi se sentir dépassé lorsque l'on pénètre la salle du Musée d'art moderne de Paris dédiée à la Fée Électricité, le tableau géant de Raoul Dufy. On ressent beaucoup de choses quand on entre dans cette espèce de cathédrale dédiée à Dufy. D'abord, c'est grand. 600 mètres carrés, 10 mètres de haut, 60 mètres de long. On a dit que c'était le plus grand tableau du monde. Faire peindre cela en 9 mois avec deux personnes et lui, c'est un tour de force incroyable. Paris permet tout cela à un artiste comme Dufy de faire quelque chose d'exceptionnel. Lorsqu'il s'installe dans la capitale à l'âge de 22 ans en 1899, Raoul Dufy veut se surpasser. Il veut toucher, ressentir, tout essayer et tout connaître. Le peintre s'apprête à marquer le début du XXe siècle avec ses traits énergiques et ses couleurs lumineuses, longtemps influencées par les littoraux français et son Havre natal. Il se rend à Paris car le moment est idéal. La ville est une capitale des arts où les joyeux s'aventurent et les ambitieux accomplissent. En bourreau de travail, exigeant et toujours optimiste, Raoul Dufy est déterminé à conquérir Paris. Un jeune ambitieux issu d'un milieu populaire, Raoul Dufy souhaite devenir l'un des artistes les plus prometteurs de sa génération. Pour se hisser, il choisit de s'installer au sommet de la capitale, sur la butte Montmartre, dans le nord de la ville. En ce début de siècle, le quartier est un haut lieu de l'art moderne. Les ateliers d'artistes s'entassent et Dufy trouve le sien à quelques rues du Sacré-Cœur. Aujourd'hui, ses palettes de couleurs joviales et ses pinceaux cohabitent avec Jacques Robert, son filleul. C'est un endroit où je me suis toujours senti heureux. J'ai commencé à courir ici, je devais avoir 3 ans. Et puis jusqu'à l'âge de 8 ans, j'ai connu Raoul ici. Dans cet atelier que le peintre gardera toute sa vie, Dufy fait rapidement la rencontre d'artistes d'avant-garde qui le stimulent. Le hasard de la vie fait qu'il a rencontré d'autres collègues ou confrères peintres, comme Georges Braque, qui était à l'étage supérieur. En dessous, il y avait Suzanne Valadon, Utrillo, Uther, la grand-mère. C'était une petite famille qui vivait là. Raoul était un magicien. Et je pense qu'il y a quelque chose de lui qui est resté imprégné dans ces murs. Et quiconque passe la porte
ressent, même s'il ne veut pas, il ressent ses anciennes présences et l'empreinte est restée. L'arôme du mage qui est passé, qui a semé sa poudre et tout le monde est ensorcelé. Dufy aussi cherche le premier sort que va lui jeter la ville. En se promenant aux alentours du Sacré-Cœur, une vue lui saute aux yeux. Paris, comme dans une révérence, s'incline enfin aux pieds du jeune homme. La capitale est là, devant lui, tout entière. Aucune ligne d'horizon de ville n'a aussi peu changé depuis plus d'un siècle. Quand Raoul vient ici et s'immobilise, je pense qu'il fait un comparatif avec la mer qu'il connaît depuis le Havre. Et puis ici, une mer peut-être de toiture, de zinc, d'ardoise. Cette mer de zinc, il l'a peint pour la première fois en 1902, dans un tableau intitulé « Vue de Paris depuis Montmartre », encore influencé par le courant impressionniste. Quand je vois ce petit tableau, la vue de Paris depuis, en fait, le pied du Sacré-Cœur, il y a d'abord cet appel de grand vide qui incite à plonger. Après, on tombe dans les premiers bâtiments de la ville. Et puis, quand on lève les yeux, on retrouve le soleil et ces nuages. Et c'était cette ambiance qui a dû le saisir. Et je pense que pour un garçon qui était amoureux de la mer, hein, les yeux n'étaient pas arrêtés. On pouvait toujours voir plus loin. Cette vue de Paris grandiose et presque sans fin annonce les panoramas qu'il crée bien des années plus tard. Il la décline sur différents supports, comme sa gouache sur papier, réalisée pour le Livre d'or d'un prestigieux restaurant parisien. Raoul Dufy se lance à l'assaut d'un Paris qui est au début du siècle la ville lumière, capitale de la modernité. Le jeune homme, encore peu connu et sans le sou, arpente les salons et les concerts pour rencontrer la haute société et tenter de vendre quelques tableaux. Issu d'une famille de mélomanes, il est à l'aise au balcon de la salle du Théâtre des Champs-Élysées, située dans l'ouest de la ville. Le bâtiment, construit en béton armé en 1913, est précurseur du courant moderniste. Raoul Dufy, à son arrivée à Paris, sera amené à fréquenter la salle du Théâtre des Champs-Élysées parce que c'est là où il faut être. Au début du XXe siècle, lorsqu'on se rend dans une salle de théâtre, c'est bien évidemment pour le spectacle qui va être donné sur scène, mais également pour le spectacle qui va être donné dans la salle. Il y a ce concept de voir et d'être vu qui est encore très, très important à l'époque. Ses réceptions musicales lui transmettent le goût des atmosphères festives et raffinées. Bien des années plus tard, Raoul Dufy retransmet ces ambiances dans une série de tableaux dédiés aux quintettes et aux orchestres symphoniques, comme avec son tableau « Le Grand Concert ». Le Grand Concert en 1948, c'est, je pense, le résultat de tous ces concerts, de toutes ces répétitions auxquelles a eu la chance d'assister Raoul Dufy. Il était souvent convié à l'arrière de la scène pour pouvoir observer la répétition comme un musicien. Et c'est ce que l'on voit sur ce tableau, puisque ce tableau a comme point de vue celui d'un musicien en fond de scène, et on voit tout l'orchestre qui va finalement se confondre avec le parterre. Dans cette œuvre, les musiciens ou même les membres spectateurs sont toujours figurés par des visages très ronds qui, moi, me font penser à des notes de musique. Les lignes architecturales ne sont pas sans rappeler des croches. Donc c'est vraiment, moi, quand j'observe ce tableau, j'y vois une partition. Il arrive à représenter la musique à tel point que l'on entend son tableau. Lorsque j'observe le Grand Concert, moi j'entends le spectacle de ce soir, un Paris en fête.
Des relations qu'il tisse, une en particulier change sa vie. Celle avec le célèbre couturier Paul Poiret. Le créateur propose à Raoul Dufy de transposer ses peintures sur des tissus d'ameublement et de vêtements. À partir des années 20, ses activités lui permettent de vivre convenablement, car ses tableaux lui rapportent peu. L'intérêt de Dufy pour les arts décoratifs s'affirme. Il dessine, tisse et surveille les exécutions d'un petit atelier, place de Clichy. Me voilà donc amené à la décoration et à la mode. Non par délassement ou amusement, mais pour une expérience sérieuse. L'artiste ponctue sa vie de voyage, mais Paris le rappelle toujours, pour expérimenter. Pendant les années folles, une révolution se met en place. Les manufactures nationales, comme celle des Gobelins dans le sud de la ville, souhaitent faire appel à des artistes contemporains pour réinventer les décorations murales. Grâce à sa réputation de grand manuel et son expertise en motifs et en décoration, Raoul Dufy est le candidat idéal. En 1933, Dufy a une commande publique. C'est exceptionnel, c'est sa première. Il y a ce renouveau de la tapisserie. Il y avait quand même toujours dans cet esprit d'entre-deux-guerres la volonté de marquer en animant les murs. Les murs, c'était aussi la manière d'apporter un message. Le paravent en tapisserie Panorama de Paris, conçu en 1933, représente un Paris carte postale et joyeux, loin des temps sombres de la Première Guerre mondiale. Quand Dufy fait son paravent avec la Tour Eiffel et la Seine, il met en bas tout un parterre de fleurs. Il a réussi à faire vraiment éclater la technique, parce que jusque-là, on faisait des choses qui étaient un peu à la manière 18e, si vous voulez. Mais on n'avait pas réussi pour la rose à la déstructurer et restructurer comme va le faire Dufy. Et donc, quand il fait son parterre de rose, en quelque sorte, il signe lui-même son œuvre. Les manufactures françaises le sollicitent aussi pour réaliser des cartons de tapisserie afin de garnir des sièges et un canapé. Sa signature de fleurs exubérante flatte les plus grands monuments parisiens. Je pense qu'il est très fier de Paris et il le montre au monde entier quelque part. Et puis c'est quelque chose d'assez amusant, donc ça plaît. Il a vraiment marqué son époque de joie, d'esprit insouciant. Paris lui permet de tout faire. Il est touche à tout génial et très technicien. À chaque fois, il va au fond de la technique pour pouvoir réaliser les œuvres qu'on lui commande. Durant ces années 30, son talent de décorateur est largement reconnu et les prestigieuses commandes se succèdent. Mais une en particulier, la plus phénoménale et la plus folle, le hisse au rang d'artiste grandiose. En 1937 se tient à Paris l'Exposition internationale des arts et des techniques. La guerre n'est plus très loin et cette rencontre entre 50 nations surgit comme un dernier espoir pour maintenir la paix. La compagnie parisienne de distribution d'électricité veut orner son pavillon, mais l'ouvrage semble irréalisable. La fresque doit retracer l'histoire de l'électricité sur 600 mètres carrés. Raoul Dufy relève le défi. La fée électricité fait parler toute sa démesure et sa fantaisie. Elle se lit de droite à gauche, donc on part d'une espèce de lever de soleil et on se termine vers, je dirais, les étoiles. On a tout un défilé de savants qui vont de la fin du Moyen-Âge jusqu'à les plus contemporains, Edison et Pierre et Marie Curie. C'est une performance de l'artiste. C'est aussi 500 kilos de peinture, 250 panneaux de contreplaqué, qui était un matériau déjà assez nouveau à ce moment-là, qui ont été légèrement cintrés, usinés et qui tombent à la perfection. À travers la fée électricité, Raoul Dufy se fait l'écho d'un Paris survolté où tout est encore possible. Ça fait
presque 30 ans que je suis dans ce musée, donc je la vois quotidiennement, ben je suis toujours surprise quand j'arrive parce qu'on a l'impression de vraiment de tomber dans un bain de couleurs. Quand Raoul Dufy réalise cette toile, en 1937 donc, une autre fée a déjà électrisé tout Paris. Elle s'appelle Cléo de Mérode. C'est l'une des toutes premières icônes photographiques. Et Thomas Chauvineau n'est pas resté insensible à son charme, apparemment. C'est le clin d'œil. Il suffit de la regarder pour comprendre pourquoi elle a inspiré de nombreux artistes. Degas, Toulouse-Lautrec ou Forain. Cléo de Mérode est belle. Tellement belle qu'elle est élue reine de beauté devant les grandes célébrités de l'époque que sont Réjeanne, Emma Calvé et Sarah Bernhardt. Alors bien sûr, tant de beauté, ça fait jaser. On l'accuse d'avoir posé nue pour le sculpteur Falguière ou encore d'être la maîtresse du roi des Belges Léopold II. On le surnomme d'ailleurs Cléopold à grands coups de caricature. Mais Cléo n'est pas du genre 5 à 7. Jusque dans ses mémoires, elle s'est toujours défendue d'avoir eu cette liaison. Contrairement à la plupart des femmes liées au monde du spectacle, Cléo de Mérode ne vient pas du petit peuple, du moins par sa mère, une aristocrate belge aux origines autrichiennes. Fauchée, d'accord, mais noble quand même, fruit d'une union illégitime, on ne sait rien du père, elle est élevée à Paris par une mère qu'on pourrait qualifier de bobo de l'époque, non pas bourgeois bohème, mais aristo. Bohème. Dès 7 ans, Cléo, de son vrai nom Cléopâtre Diane de Mérode, est petit rat de l'opéra. Elle en deviendra danseuse étoile. Mais ce sont surtout ses photos qui l'ont rendue célèbre. Celle de Nadar d'abord, puis celle de Léopold Röttlinger. Il laisse d'elle de nombreuses images. Danseuse, femme du monde ou nymphe. Dans son regard, quelque chose de franc et d'énigmatique. Elle crève la pellicule. Jusqu'à la Première Guerre mondiale, ces images sont reprises sur les paquets de cigarettes, de chocolat, dans les publicités pour les parfums ou les chapeaux. Elle devient l'une des premières icônes et égéries des marques. Elle traverse les deux guerres, vieillit, enseigne la danse. Elle a dépassé les 90 ans et sur les dernières images qu'on trouve d'elle, elle embrase toujours la pellicule. Elle meurt. En 1966. La feuille d'érable, vous le savez, c'est l'emblème du Canada. Eh bien, à Vancouver, c'est de l'érable japonais qu'on trouve beaucoup. L'érable japonais qu'on appelle aussi « arbre de l'espoir ». Vous allez très vite comprendre pourquoi, grâce à cet héritage. Sur les hauteurs de Vancouver, la métropole cosmopolite de la Colombie-Britannique, des adolescents renouent avec une part sombre de l'histoire canadienne à travers le baseball. Voici mon arrière-grand-père, Kenichi Doi. Il faisait partie de l'équipe Asahi dans les années 30. Jouer avec cette équipe me connecte à mon arrière-grand-père, car je n'ai pas eu la chance de le connaître. Je pense qu'il serait fier de voir que l'équipe renaît aujourd'hui, malgré tout ce qu'elle a traversé. Ces jeunes garçons perpétuent la mémoire d'une communauté présente sur la côte ouest du Canada depuis les années 1880. Du début du XXe siècle jusqu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, des milliers de citoyens d'origine nippone furent persécutés par le gouvernement canadien. Cette histoire passée sous silence pendant des décennies est au cœur du sentiment d'exclusion que ressentent toujours aujourd'hui les 120 000 descendants d'immigrants japonais vivant au Canada, ce que l'on appelle les Nikkei. Au sud de Vancouver, là où le fleuve Fraser se jette dans l'océan Pacifique, le Japon se trouve à plus de 7500 kilomètres. Bonjour, Queen. Bonjour, Calvin. Je monte à bord. Vas-y, monte. Le village de Stevenston fut le premier port d'attache des Japonais venus chercher fortune au Canada à la fin du 19e siècle, entraîné par un jeune matelot de 24 ans
devenu le héros de cette communauté. Manzo Nagano est le premier japonais à être arrivé au Canada en 1877. Il est arrivé clandestinement sur un bateau britannique parti du port de Yokohama, et c'est lui qui a incité des milliers de villageois à venir du Japon. Ils sont venus spécifiquement pour travailler dans l'industrie de la pêche, dont ils faisaient déjà partie au Japon. Ils ont commencé à faire leur vie ici grâce aux ressources naturelles que l'on trouvait avec la pêche d'élevage. En quelques années, des milliers de Japonais comme le grand-père de Calvin Igo s'installent dans l'ouest du Canada. Ils sont attirés par la toute jeune Confédération canadienne qui prospère en cette fin de 19e siècle et offre la promesse d'un avenir glorieux. 7 jours sur 7, les pêcheurs japonais ramènent au port du saumon et du crabe qui abondent dans la région. À la fin du 19e siècle, Steve Stone était essentiellement un village typique de l'Ouest, comme dans les films, avec des bâtiments tout en bois. Les premiers pêcheurs ont eu des conditions de vie difficiles les premières années. Ils vivaient agglutinés dans des dortoirs, et au départ, il n'y avait que des hommes, aucune femme. Alors, ils ont organisé un système de correspondance où les pêcheurs échangeaient avec des femmes restées au Japon. Ils se sélectionnaient mutuellement à travers des photos. Et puis, les pêcheurs payaient le trajet pour qu'elles les rejoignent ici. Ils se mariaient, fondaient une famille, et les femmes travaillaient dans les conserveries, formant ainsi toute une communauté. La communauté nippone grandit et devient de plus en plus prospère. Au début du XXe siècle, Japantown se crée à Vancouver autour de Powell Street. S'il s'apparente aujourd'hui à un quartier fantôme, il connut un âge d'or dont l'école de langue japonaise reste l'un des derniers vestiges. Ici, c'était comme un village autosuffisant. L'école japonaise était le centre communautaire et le centre culturel. C'est ici que tout le monde se réunissait. Ici que l'on pouvait enseigner la langue et la culture et aussi tisser des liens. Autour de l'école, le quartier de Powell Street rassemble à l'époque pas moins de 500 commerces japonais florissants. Mon grand-père venait d'un village très pauvre du Japon. Et il est venu au Canada, comme la plupart des immigrants, pour s'enrichir et pour l'aventure. C'était le pays de tous les possibles, comme une terre de pionniers où l'on pouvait tout construire et faire fortune. Mais ces étrangers en quête d'Eldorado finissent par déranger une partie de la population canadienne. L'animosité et le racisme enflent. Les Japonais furent discriminés à partir du moment où ils ont débarqué au Canada. Ils n'avaient pas les mêmes droits que les Canadiens blancs. Ils ne pouvaient pas voter, ils ne pouvaient pas accéder à certaines professions. Par exemple, ils ne pouvaient pas devenir médecin, à moins de l'être pour les Japonais. Le 7 septembre 1907, l'hostilité sur Powell Street atteint son paroxysme. Alimentée par les extrémistes de l'Asiatic Exclusion League, une foule de 9000 personnes s'acharne contre tous les symboles de la présence japonaise. De nombreux travailleurs canadiens blancs se sentaient menacés par le flot d'Asiatiques immigrant à Vancouver.
Il se retrouvait en concurrence avec les travailleurs japonais. Et ce jour-là, le long de Powell Street, les émeutiers ont défilé et ont vandalisé tous les magasins japonais. C'était comme ce qu'ont fait plus tard les nazis lors de la nuit de cristal, mais contre les Asiatiques. Pour calmer les esprits, quelques mois plus tard, le gouvernement canadien limite l'immigration japonaise à quelques centaines de personnes par an. Mais le quartier ne se relèvera jamais et la haine envers la communauté nippone atteint bientôt des sommets, déclenchés par un événement extérieur au pays. Le 7 décembre 1941, les forces aéronavales japonaises attaquent par surprise la base américaine de Pearl Harbor, à Hawaï, précipitant l'entrée des États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale. Le Canada, déjà engagé dans le conflit aux côtés des Alliés, redoute alors une attaque similaire sur son territoire, côté Pacifique. Le racisme anti-japonais, déjà à l'œuvre dans le pays, se décuple. Au nord-est de Vancouver, le parc Hastings porte les stigmates de la période la plus sombre de l'histoire de la ville. Cet endroit a été le début de notre cauchemar qui a duré 7 ans. Cet ancien hangar à bétail est transformé en février 1942 en lieu de détention pour 8000 citoyens canadiens d'origine japonaise que le gouvernement désigne comme étrangers ennemis. Marie Kitagawa n'a que 7 ans quand, avec sa mère et ses 4 sœurs, elle est emmenée de force ici. Quand on a dit à ma mère d'entrer dans ce hangar, elle a dit « Je ne vais pas vivre ici, parce que nous ne sommes pas du bétail. » Et lorsque nous sommes entrés, nous avons immédiatement senti l'urine et les excréments laissés par les animaux. Et la vue était tout simplement incroyable. Des rangées et des rangées, et encore des rangées de lits superposés en métal, serrés les uns contre les autres. J'ai encore cette image en tête. C'est impossible d'effacer ça. C'est totalement ancré dans mon esprit. Femmes et enfants sont parqués ici pendant des semaines, en plein hiver canadien, alors que tous les hommes suspectés injustement d'être des espions sont envoyés dans des camps d'internement à l'intérieur du pays. Certaines des familles qui ne pouvaient pas être logées dans les lits superposés en métal ont été placées dans ces stalles où vivaient les animaux. Nous étions en quelque sorte au même niveau qu'eux. En faisant de nous les boucs émissaires de la guerre, ils ont pu justifier de nous traiter comme des bêtes. Je ressens juste une immense douleur dans mon corps en ce moment même. À mesure que le conflit mondial se durcit, 22 000 citoyens d'origine japonaise sont envoyés dans des camps d'internement à l'intérieur du pays, loin de la côte Pacifique. Leurs entreprises, leurs institutions, leurs maisons, comme dans ce quartier résidentiel de Marpol, sont confisqués par le gouvernement. Après la guerre, on a dit aux familles canado-japonaises qu'elles ne pouvaient pas retourner à Vancouver. Elles ne pouvaient pas retourner chez elles comme elles le voulaient. Elles n'avaient pas le droit d'aller sur la côte ouest. Il y avait une politique appelée « à l'est des Rocheuses », selon laquelle ils ne pouvaient s'installer qu'à l'est de ces montagnes et se disperser. Le gouvernement ne voulait plus que les Canadiens d'origine japonaise vivent ensemble. Ils voulaient éradiquer la communauté, ce qu'ils ont réussi à faire.
La famille Kogawa est l'une des rares à avoir réussi à retrouver sa maison bien des années plus tard. Dans la deuxième moitié du XXe siècle, un long travail de mémoire s'installe dans le pays qui aboutit en 1988 à la reconnaissance officielle de l'une des pires violations des droits de l'homme de toute l'histoire du Canada. Une indemnisation symbolique de 21 000 dollars est versée à chaque personne ayant été déportée. Nos parents ont eu une reconnaissance publique et des excuses, ce qui est la chose la plus importante pour nous. Dire que cela s'est bien produit. Et je pense qu'à partir de là, il y a eu une prise de conscience pour que la population puisse être au courant. Car jusqu'alors, tout ceci était délibérément tenu à l'écart des livres d'histoire. Ce processus, appelé redressement des torts, a encouragé la création de lieux de mémoire. Dans le Momiji Garden de Vancouver, les emblématiques érables du Japon rendent hommage aux 22 000 personnes déportées, comme Marie Kitagawa et celui qui est devenu son mari. Je sens que j'ai la responsabilité de raconter cette histoire à des gens qui n'en ont jamais entendu parler auparavant. Il y a beaucoup de gens dans notre pays qui ne peuvent pas croire qu'une telle chose s'est produite au Canada. Et donc je pense qu'il est très important de parler tant que nous le pouvons, de continuer à raconter cette histoire. Allez, on change de continent. Je vous invite maintenant en Jordanie. On va s'incruster dans la cuisine de Maria, qui habite la capitale, Amman. Maria, elle a prévu pour nous un makloubé, une recette qui devrait vous mettre la tête à l'envers. Nous sommes dans le quartier Jebel El Wabdi et je vous emmène à Beit City pour préparer le makloubé. Ça, c'était la maison de ma grand-mère. Et il y a 11 ans, avec mes sœurs, on a décidé de la transformer en un lieu où les gens viennent apprendre la cuisine jordanienne. Le makloubé qu'on va préparer aujourd'hui est au chou-fleur, à l'aubergine et au poulet. On va aussi faire du riz et on va utiliser plusieurs épices. La première chose à faire, c'est de saler les aubergines pour qu'elles dégorgent, car après, on va les faire frire. On commence par le chou-fleur. On n'a pas besoin de le saler. Il faut laisser cuire jusqu'à obtenir une jolie couleur brune. Le makloubé est un plat que les agriculteurs mangeaient avant. Ils le préparaient avec des restes. Pourquoi on l'appelle makloubé? Parce qu'on va remplir la casserole et on va la renverser, d'où le nom makloubé, qui veut littéralement dire « la renverser ». Ici, on a un poulet qu'on a déjà fait cuire, avec de l'oignon et de l'ail. On va commencer à empiler les étages. On met des tomates au fond de la casserole, un peu d'huile avant pour ne pas que ça colle. On met les tomates. On prend le poulet, une cuisse, on l'oriente vers le bas comme ça. J'enlève ce bout d'os parce que ce n'est pas très joli. Maintenant, on commence à mettre les rondelles d'aubergine. Ensuite, le chou-fleur. Et là, c'est le riz qu'on a déjà rincé. Maintenant, on verse tout ça dans la casserole.
On prend le bouillon du poulet, on le verse. Il faut qu'il recouvre le riz. Et on met une assiette. La cuisson, c'est tout un art. Il faut savoir couvrir et découvrir la casserole. Vous voyez là, ça boue. Donc, on découvre, on laisse l'eau s'évaporer un peu, on baisse le feu et on remet le couvercle. Vous voyez ici, il reste encore un peu d'eau. On va attendre encore 2 minutes. Dès qu'il n'y a plus de liquide, c'est prêt. Maintenant, on va la renverser. 1, 2. Le makloubé, on le mange toujours avec une salade car ça relève le goût. Excellent. Tu es un peu obligée de dire ça, je suis ta chef. Je t'aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, à la folie. Décidément, les plantes nous parlent aujourd'hui. Hein. Cela dit, dans le cas de la marguerite, aimer à la folie ne suffit pas toujours, surtout quand il en va de l'avenir d'un pays. C'est l'incontournable que je vous raconte à Tolède. L'Alcazar, c'est lui d'abord que l'on voit au loin lorsqu'on s'approche de Tolède. Dans l'enceinte de cette forteresse, sans cesse détruite et reconstruite, le pouvoir royal a siégé pendant des siècles. L'Alcazar a vu passer les troupes romaines, les invasions wisigothes, les occupants arabes, jusqu'à sa prise en 1085 par un roi venu du nord de la péninsule, Alphonse VI de Castille et León. Baignée par les eaux du Tage, la ville est alors sur la ligne de partition des deux Espagnes qu'Alphonse VI veut réunifier. Celle chrétienne au nord, musulmane et juive au sud. Incontournable Alcazar de Tolède qui cache un amour qui aurait pu changer le cours de l'histoire espagnole. Comme nous le raconte l'écrivaine Magdalena La Sala. Nous sommes en 1091. Zaïda est un personnage très mystérieux, dont l'histoire a été passée sous silence parce que la passion qu'elle a vécue avec le roi Alphonse est totalement subversive. Toutes les chroniques la décrivent comme une femme d'une beauté et d'une intelligence exceptionnelle. Alphonse était littéralement envoûté. Alphonse VI est alors marié à Constance de Bourgogne. Zaïda, elle, est la femme de Abou Nasser al-Fath al-Mamoun, fils de l'émir de Séville. Leurs cœurs n'auraient jamais dû se rencontrer. Tout les sépare, l'âge, la religion et les liens sacrés du mariage. Alphonse était ami avec Al-Mamoun, son mari. Zaïda connaissait donc Alphonse. Ils s'étaient croisés à plusieurs reprises lors de fêtes où chaque cour recevait l'autre. Pour Zaïda et Al-Mamoun, issu de la dynastie Omeyyade, au pouvoir depuis 3 siècles dans le sud de l'Espagne, le danger ne vient pas des royaumes chrétiens du nord, mais des tribus berbères du Maroc, les Almoravides. Ces nouveaux envahisseurs mettent à feu et à sang Cordoue en 1091. Le mari de Zaïda est tué et elle cherche d'abord refuge à la cour de Séville, chez son beau-père. Lorsque Zaïda voit que son beau-père ne peut pas l'aider, elle obtient de lui qu'il lui remette les titres de propriété de plusieurs forteresses avec lesquelles elle pense pouvoir négocier sa protection directement avec Alphonse, et elle se rend alors à Tolède. À peine arrivée, Alphonse et Zaïda deviennent amants. Opportunité de la part de Zaïda, coup de cœur pour cet homme. Il a certes plus de 20 ans qu'elle, mais il est instruit et il porte beau.
L'amour, à cette époque, bien sûr, n'avait rien à voir avec l'idée qu'on s'en fait aujourd'hui. Les mariages étaient arrangés. C'était évidemment avant tout des alliances politiques. Si tu me donnes toutes ces forteresses et que je les incorpore à mon royaume, alors tu passes sous ma protection. Mais il n'y avait aucune obligation de devenir amant pour autant. Dans un premier temps, Constance de Bourgogne laisse faire. Elle n'est plus à une maîtresse près. En 1093, Zaïda donne naissance à un garçon, Sancho, certes illégitime. Elle devient alors une menace. D'autant que la reine Constance n'a eu que des filles. Et l'un de ses gendres, Raymond de Bourgogne, voit ainsi la perspective de monter sur le trône s'éloigner. Raymond de Bourgogne voulait régner sur l'Espagne en faisant valoir le droit marital. Car si Alphonse n'a pas d'héritier, en tout cas un fils légitime, qui hérite du trône ? La princesse Urraque. Et Raymond devenait roi consort. Des années après la mort de la reine Constance, la menace se concrétise. Alphonse se marie avec Zaïda qui, pour l'occasion, se convertit au christianisme et prend le nom d'Isabelle. Lorsque Zaïda et Alphonse se marient, c'est un mariage secret auquel ne sont invités que les nobles qui sont en faveur de cette union. À ce moment-là, il règne à la cour du roi Alphonse une ambiance de guerre civile. Qu'importe, Zaïda Isabelle impose sa marque sur la cour royale. C'était une femme éminemment politique, qui avait un énorme pouvoir. C'est aussi à elle qu'on doit le fait de manger assis, de prendre une fourchette, enfin une sorte de fourche pour que l'on arrête de manger avec les doigts. De nouveaux styles musicaux, les parties d'échecs qui passionnent Alphonse, ça vient d'Andalousie. Sous son règne, Tolède la tolérante accueille et protège les artistes et les scientifiques. Mais dans l'ombre, le prince consort Raymond de Bourgogne et ses alliés complotent pour que Sancho, le fils de Zaïda et du roi Alphonse, ne soit pas reconnu comme héritier légitime. Ils ne voulaient pas d'un homme qui ait du sang musulman. Sancho représente justement cette possibilité d'un royaume d'Espagne unifié territorialement, qui réconcilie les deux confessions. C'était le rêve d'Alphonse VI, de réunir enfin la péninsule sous un seul commandement, une seule loi, une seule politique, de rendre possible ce concept de nation. Alphonse désigne son fils Sancho comme son héritier. Mais le dauphin disparaît lors d'une bataille, à l'âge de 14 ans. La thèse qui gagne du terrain, c'est celle de l'assassinat, que le prince a été victime d'un complot précisément pour qu'il ne devienne pas le successeur d'Alphonse. Ce sont toujours les vainqueurs qui écrivent l'histoire, et ils font tout pour justifier leurs actes et tout ce qu'ils ont fait pour arriver à cette victoire. Avec la mort de Sancho, le rêve d'une Espagne multiculturelle, telle que fut Tolède pendant un bref moment, s'évanouit. Aujourd'hui, la mémoire de l'histoire d'amour interdite entre Zaïda et Alphonse est honorée par certains le 14 février, jour de la Saint-Valentin. On termine avec la devinette. Au Maroc, savez-vous qui sont les gens des nuages ? C'est ce que je vous demandais en début d'émission. Eh bien, ce sont les nomades, qu'on appelle comme ça, car ils ne cessent de poursuivre les nuages. C'est même une question de survie pour eux dans le désert. Sur ce territoire aride, les nomades savent depuis longtemps que nuages riment avec pluie. Quand ils en aperçoivent, ils envoient l'un d'entre eux en éclaireur pour savoir si c'est un nuage de pluie. Et si c'est le cas, eh bien ils en prennent la direction. Une tradition qui a notamment inspiré Leclésio pour son roman « Jean des nuages ». Quant à nous, on est bien décidé à vous garder sur un petit nuage. Alors à demain, Vespalt. Je t'aime.